Nous sommes le 15 août. Des pénitents progressent sur la rue en forte pente. Le but est de demander une faveur à la Vierge ou la remercier d'une grâce reçue. Malgré le tapis, la progression exige d'importants efforts sous un soleil de plomb. Certains s'imposent une allure très soutenue ou refusent même le confort du tapis en s'écorchant les genoux sur la pierre. Leur but, l'église de la Panagia. L'édifice a été construit à l'emplacement révélé par sœur Pélagie. Comme la Vierge l'avait annoncé, l'icône a effectivement été découverte enfouie dans la roche. Les pèlerins remercient la Vierge en accrochant des ex-voto. Car l'icône possède le pouvoir de guérir. La quantité des ex-voto montre à quel point ses bienfaits ont été nombreux. L'icône miraculeuse est honorée par des milliers de fidèles à l'occasion de l'Assomption. La précieuse image est protégée par une vitre. Elle disparaît presque sous les dorures et les ornements.